Bien-aimés, bonsoir. Oula, peuple de Dieu, bonsoir. Où sont les femmes de Sion? Soyez les bienvenus au Centre Chrétien International. Cette magnifique journée continue. Où sont les femmes qui ont reçu une double faveur de la part de Dieu? Alors on veut vous entendre encore faire plus de bruit ce soir. Que toute la gloire revienne à Dieu, mesdames et messieurs, avant de pouvoir débuter cette magnifique soirée, pour des raisons, s'il vous plaît, de sécurité et pratique. L'issue de secours qui se trouve juste en face de nous, sur votre gauche, s'il vous plaît, à partir de maintenant, ne sera plus accessible. Donc, juste sur votre gauche, pour accéder au sanitaire, on vous demande, s'il vous plaît, donc de ne pas emprunter cet axe, car c'est là que nos comédiens passeront, ainsi que toute l'organisation. Donc, on vous demandera tout naturellement de pouvoir passer par le couloir de droite. Ok, bon, les régisseurs sont prêts, la lumière c'est parfait, la sono, mais est-ce que le peuple de Dieu est prêt pour ce soir? Alors un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour ce groupe de danse qui va ouvrir les festivités. Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mientras viva te alabaré.
Monsieur, on va prendre Mélanie comme ça, elle va me fatiguer. Mélissa. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un feu dans ce lieu? Est-ce qu'il y a un feu qui était allumé dans ce lieu? Alléluia. Femme, lève-toi dans la présence du roi des rois. Il est là. Alléluia. Alléluia. Hey. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme ça. Et... Est-ce qu'on peut lever la main vers le ciel? Tu me demandes, quoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi.
Alléluia, Seigneur. Double faveur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, je te connais. Amen. Alléluia. Double faveur à la fin. Si vous êtes courageux, double faveur à la fin. Son amour est un cadeau, ma grâce il se reçoit.
esprit dans ce lieu.
Waouh, est-ce qu'on peut applaudir Jésus ce soir pour cette formidable soirée, pour cette formidable convention que nous vivons, pour ces danses aussi. Je crois que l'on n'a jamais autant dansé que même ma maman. Elle m'a dit non, mais je vais me mettre à rapper. Je vais me mettre à danser. Ah oui, à oui. Eva, je postule, Eva. Ah non, là, il faut que je me bouge, hein. Non, franchement. Non, mais parfois, ce sont aussi les émotions, et la Bible nous amène à ne pas marcher par nos émotions, mais par l'esprit, n'est-ce pas, maman? Est-ce qu'il y a un âge pour danser? Où sont les dames de mon âge, là? Encouragez-moi, attendez. Amen. On va se mettre à danser. Amen. Parce qu'au ciel, on dansera. Amen. Sinon, on sera un petit peu gênés là-haut, hein. Alors voilà, donc, on a une annonce à vous faire à toutes celles qui sont là ce soir et qui n'ont pas vécu la convention complète, qui est reconnaissante à Dieu pour cette grande convention que nous sommes en train de vivre, amen, qui a reçu le meilleur de Dieu durant ces jours déjà. Amen, c'est tout, non? J'ai dit qui a reçu le meilleur de Dieu. Amen. Qui a reçu le meilleur de Dieu, amen, amen. Et demain matin aussi, nous vivrons une grande matinée à partir de 9h30. Dis à la personne qui est à côté de toi, 9h30 demain matin. Ça sera le dernier jour. Le dernier jour de notre convention femme. Et donc, comme nous l'avons annoncé vendredi soir, nous avons lancé notre premier magazine femme, donc Vie et Deviens. Et nous en avons déjà distribué certains aujourd'hui, mais demain matin, exactement, ils vous seront distribués le magazine à votre accueil, dès votre accueil. On vous donnera donc ce magazine pour vous, chères femmes de Guyane. Vous pourrez réellement être encouragées par ces témoignages et toutes ces belles choses qu'il y a à l'intérieur. Je peux l'avoir. Non, mais il a l'air tellement bien que j'ai envie de le garder. En fait, c'est un rêve que j'ai eu il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que je rêve d'avoir un magazine pour les femmes, mais pas un magazine qui est religieux, pas un magazine qui te donne pas envie d'ouvrir, plutôt de le mettre à la poubelle, mais pas un tract simplement, mais un magazine que chaque femme, que ce soit dans le métro à Paris, dans le bus, n'importe quelle ville en France, n'importe où en Guyane, amène dans les instituts, dans les salons d'attente, un peu partout, il est gratuit. Donc en première page, vous allez voir, nous avons Yolaine Chénon, qui est une fille du pays. Qui connaît Yolaine Chénon? Amen. Yolaine, si tu nous regardes, on a hâte que tu viennes nous voir en Guyane. Hein? En tout cas, vous avez plein de témoignages de femmes, de situations différentes, qui ont vécu des choses différentes. Et c'est génial parce que c'est plein de QR codes, en fait, qui vous ramènent soit dans la parole, qui vous ramènent soit dans de la musique chrétienne, qui vous ramènent soit dans une musique de détente autour d'un thé, etc. Et franchement, il est génial. C'est un magazine que chaque femme a envie de garder, de mettre dans son sac à main, de l'ouvrir sur une terrasse de café ou alors chez soi, sur la table du salon. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment envie de jeter. Il est vraiment très, très, très beau. Et il sortira tous les 3 mois. Amen. Donc, tous les 3 mois avec des articles vraiment extraordinaires. Je bénis Dieu parce qu'on l'a appelé « Vie et devient ». C'est pas ça la devise des femmes de Sion, vous êtes là. Vie et deviens, dis à ta voisine, vie et deviens. Amen. Que toutes les femmes de la Guyane, c'est vie et deviens. Et c'est vraiment, donc demain, vous l'aurez. Amen. Voilà, ensuite. Il faut aussi dire que toutes les photos qui font partie de ce magazine sont une production de notre église également, car notre photographe pour ce magazine a été donc Flora Westbrook, une photographe professionnelle d'Angleterre, et donc qui a également pris du coup cette magnifique photo de couverture donc de notre invitée spéciale de ce magazine, Yolaine Chénon. Également, autre chose
chose à vous annoncer dont je crois que vous ne pouvez pas que vous ne pouvez pas manquer réellement. C'est notre grand projet pour la Guyane, Pro-Vie. Ce n'est pas qu'un projet, parce que tout a commencé durant ce week-end. Définitivement, Pro-Vie est né en Guyane. Amen. Pro-Vie veut dire « je défends la vie ». Pro-Vie veut dire que je considère la vie que Dieu nous donne. Amen. Pro-Vie veut dire que les entrailles d'une femme sont une bénédiction et que le fruit qu'elle porte, il vient d'en haut, il vient de l'amour de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous allons défendre la vie en Guyane. Et aujourd'hui, nous avons fait, si vous voulez aller sur G12.tv, vous allez voir aujourd'hui le plateau que nous avons fait pour présenter Pro-Vie. Et vous avez un petit peu les panneaux avec les photos Pro-Vie. Juste ici. Vous et aurez, d'ailleurs, les tracts sont disponibles. Là-bas, voilà. Sur la petite ils table. Sont magnifiques, ils sont superbes, de très bonne qualité. Et nous allons nous battre pour plus fort, pour la vie. Amen. Donc voilà, Pro-Vie est née et bientôt d'autres choses vont encore prendre place. Je vous tiendrai informé à plus tard, un peu plus tard. Amen. On va déjà se baser sur ce projet parce que la vie que Dieu donne, elle est précieuse, elle est unique. C'est une destinée unique. Il n'y aura pas une autre personne sur la terre. Chaque vie ici est unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y en a pas deux comme moi. Tes empreintes digitales sont uniques. Ta destinée unique, l'appel qui est sur ta vie de la part de Dieu est un appel unique également. Amen. Et je crois qu'il est temps que la Guyane se lève parce que la Guyane est visitée par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Qui donne aussi la vie, qui insuffle son esprit en nous. Et je bénis Dieu pour cette grâce. Voilà, pour mais les informations. Mais je sais aussi que nous avons vraiment le projet d'agrandir vraiment Pro-Vie dans toute la Guyane, dans chaque commune, dans chacune également de nos églises et même en France. Et je crois que si ça a commencé en Guyane, ça touchera également notre nation tout entière. Donc ces tracts-là, vous pouvez les avoir pour vos amis, à votre travail, pour votre famille, etc. Si Dieu vraiment vous met à cœur de le partager, de prévenir ces femmes, de leur faire connaître la vérité de ce qu'est réellement la vie, ces tracts sont disponibles juste là à ce stand. Et donc à la fin de cette soirée, vous pouvez en prendre. Je crois, Pasteur Annie, qu'est-ce que tu avais autre chose à dire ? Non, pas spécialement. Je pense qu'une grande soirée nous attend. Une grande soirée. Amen. C'est une soirée stop. Stop quoi ? Stop la violence. Stop l'agression. Stop les abus. Quelles femmes sont OK avec moi, là ? Vous êtes OK avec ça ? J'ai été une femme battue pendant 5 ans. J'ai failli mourir 3 fois. Amen. Et je crois que Dieu avait déjà posé sa main sur ma vie parce qu'à ce moment-là, je ne le connaissais pas encore. Et Dieu n'a pas permis que je meure, mais 3 fois, j'ai failli mourir parce que j'avais un mari très violent qui était, quand il avait bu, il était méchant. Il était adultère, j'ai souffert pendant 5 ans, j'étais au bord du suicide et je ne savais pas que Dieu existait. Et c'est terrible quand tu es dans une situation où tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas celui qui vient pour te relever, pour te sauver, pour te restaurer, pour te guérir. Tu te sens abandonné et j'étais au bord du suicide. J'avais 42 kilos à ce moment-là et j'étais maman d'un petit garçon. À 9 mois de grossesse, j'ai eu pris des coups de pied dans mon ventre. J'étais frappée à terre avec des coups de pied dans mon ventre. Juste à 10 jours de mon accouchement, j'ai souffert de la violence de cet homme. J'ai été ébouillantée dans tout mon dos, brûlée au 2e degré. J'ai souffert sur la route par un accident. Il a tout fait pour me tuer, pour me détruire. Mais pour vous dire qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent, amen. Et je veux aussi vous dire que tous les hommes ne sont pas violents. Est-ce qu'il y a des hommes ici dans ce lieu ?
Amen, je vous rassure messieurs, hein, parce que là toutes les femmes sont en train de vous regarder. En tout cas, je suis mariée depuis combien d'années? Depuis 42 ans aujourd'hui, avec un homme qui est le plus doux mari qui existe sur la terre, le plus gentil. Amen. Et vous savez, parfois on mange le pain dur, et après Dieu nous amène dans la bénédiction et nous donne une bonne personne. Je pensais que tous les hommes étaient les mêmes. Pardon, hein, messieurs, je croyais que tous les hommes étaient pareils parce que j'étais traumatisée, mais Dieu a décidé autrement et il m'a prouvé qu'il y a beaucoup d'hommes de très grande valeur sur cette terre. Et en Guyane, il y a des hommes de très grande valeur. Amen, amen. Alors, waouh, et ça, je vous l'assure. Je crois que Dieu est vraiment en train... Révolution! Non, la révolution dans le royaume de Dieu. Mais je crois vraiment que Dieu est en train vraiment d'amener le réveil au sein des familles en Guyane, dans le cœur des hommes en Guyane, pour restaurer la paternité également en Guyane, dans le cœur des femmes et dans le cœur des jeunes. Amen. Combien le croient? Et j'aimerais qu'on applaudisse Jésus réellement pour la vie de notre pasteur Annie Krollinger et pour la vie de la pasteur Elisabeth Boulmer, qui est là avec nous ce soir et qui va nous partager une parole que Dieu a mise sur son cœur. Sois béni, pasteur, et on te laisse toute la place. Faja, faja, faja. Precisamente les estaba diciendo a las pastoras. Effectivement, j'étais en train de dire au pasteur que era falla, porque anoche me fui con la canción. Je demandais qu'est-ce que c'est falla, parce que je suis repartie avec la chanson dans la tête, le chant dans la tête. O sea que hoy otra vez voy a dormir con esa canción. Oh, ce soir également, je vais encore m'endormir avec ce chant. Pero super, me gustó. Merci, mucho. Super, ça m'a beaucoup plu. Bueno, quiero hacer algo. ¿Qué tal si las mujeres se ponen de pie, que son todas las del auditorio? Je vais faire quelque chose de différent. Est-ce que vous pouvez toutes vous lever? Y levanten la mano quien tiene hijos. Celles qui ont des enfants, levez voir vos mains. Si pueden prender un poquito la luz a fondo que no. Est-ce que la lumière peut montrer un peu l'auditorium? Okay. Est-ce que la lumière peut éclairer l'auditorium? Si vos enfants sont ici, est-ce que vous pouvez les chercher? Y aquellas mamitas que no están sus hijos aquí. Si vos enfants et les dames qui n'ont pas leurs enfants ici. Se van a unir con otras mujeres. Et vous allez vous unir aux autres dames. Y las que son solteras se van a unir con las que son solteras. Et celles qui sont célibataires, mettez-vous avec celles qui sont célibataires. Ay, mira, aquí ya veo a Eva con su hijita. Donc je vois Eva avec sa fille. A Zaira con su hijita. Sarah avec sa fille, ses enfants. Wow. Dios ama las familias. Dieu aime les familles. ¿Listo? ¿N'est-ce pas? Prêt? Listo. Las mamitas que no tengan aquí sus hijos, únanse con otra mujer. Les femmes qui n'ont pas leurs enfants ici ce soir, unissez-vous. Que ninguna quede sola y se van a coger de la mano. Unissez-vous par la main à une autre femme qui est seule également ce soir, qui n'a pas ses enfants. Cojan a sus hijos de la mano. Et celles qui sont avec leurs enfants, prenez vos enfants par la main. Listo. Prêt? Porque hoy vamos a consagrar nuestros hijos. Ce soir, nous allons consacrer nos enfants. Digan conmigo, nuestra generación le pertenece al Señor. Dites avec moi, notre génération appartient au Seigneur. Ahora dile ahí a tu hijo, hijo. Et tu le perteneces al Señor. Et dis à ton enfant s'il est là ce soir, mon enfant, tu appartiens au Seigneur. Y las que son solteras, sueñen, voy a tener generaciones para el Señor. Et celles qui sont célibataires, vous pouvez rêver et penser à ce que vos enfants appartiendront au Seigneur.
Escuchen esto. Écoutez. ¿Ustedes saben quién fue Moisés? Claro. ¿Es que vous savez qui était Moïse? Moisés fue libertador del pueblo de Israel. Moïse a été le libérateur du peuple d'Israël. Pero ¿quién fue su mamá? ¿Y quién era su madre? Jocabet. Jocabet. ¿Sabe qué me gusta de esta mujer, Jocabet? ¿Vos sabés ce que j'apprécie chez cette femme? Que fue una mujer que a pesar de haber un decreto de muerte, c'est une femme que malgré le décret de mort, decidió guardar el destino de Moisés. Malgré le décret de mort sur sa vie, elle a décidé de garder le destin de Moïse. Cuando Faraón mandó matar los niños, Jocabet se hizo una canasta. Quand Pharaon a décidé de tuer tous les enfants, elle a décidé de le protéger dans un petit berceau. Y era tanto su confianza en Dios, ella lo entregó en esa canasta y lo mandó por las aguas. Sa confiance était telle en Dieu qu'elle l'a placé sur ce berceau et l'a laissé aller sur les fleuves. Así que Jocabet guardó el destino y el propósito de su hijo. Et donc Jocabet a protégé le destin et le plan de Dieu dans la vie de son fils. También miro la historia de Ana. Également, je regarde l'histoire de Anne. Ana quería un hijo. Anne voulait un enfant. Tal vez aquí hay mujeres que no han podido tener hijos. Peut-être qu'ici il y a des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Pero hoy a través de este clamor que vamos a tener por las generaciones, Dios le va a dar un hijo. Mais ce soir, à travers la prière que nous allons faire pour nos générations, Dieu va te donner un enfant. Pero ¿cuál es el propósito de tener un hijo? Quel est l'objectif d'avoir un enfant? Consagrarlo a Dios. Il faut le consacrer à Dieu. Hoy en día hay un espíritu de orfandad. Aujourd'hui, il y a un esprit d'orphelinat. Y a veces nos quejamos, pero ¿por qué esta generación está rebelde? Et parfois on se plaint en disant mais pourquoi cette génération est rebelle? Porque ellos están gritando de dolor por la orfandad. Parce qu'ils sont en train de crier à l'intérieur d'eux de douleur. Cuando yo escucho que dicen, no, es que los jóvenes son rebeldes. Quand j'entends qu'on me dit, non, les jeunes, ils sont rebelles. Yo no acepto eso. Non, je n'accepte pas cela. Porque yo creo que ellos están gritando de dolor. Parce que je crois qu'à l'intérieur d'eux, ils crient de douleur. Y están pidiendo una familia. Et ils crient pour avoir une famille. Madres. Des mères. Nosotras tenemos que guardar el destino de nuestras generaciones. Maman, nous devons garder le destin de notre génération. Ana clamó por un hijo y Dios le dio ese hijo y ella lo consagró a Dios. Anne a crié pour avoir un fils, Dieu le lui a donné, elle l'a consacré, elle l'a donné à Dieu. Jocabet vino un decreto de muerte, pero ella guardó el destino de su hijo. Sur la vie de le Jocabed, il y a eu un décret de mort sur la vie de son fils, mais elle a gardé le destin de son fils. Y mira, Moisés cumplió su propósito. Et regarde, Moïse a accompli le plan. Por una madre que protegió el destino de él. Grâce à une mère qui a protégé son destin. Vamos a orar por estos hijos que están aquí y por los que están en desobediencia, que tú dices, mi hijo está en rebeldía. No, hoy los vamos a entregar en el altar. Donc aujourd'hui nous allons prier pour les enfants qui sont ici ce soir, mais nous allons prier pour ceux qui ne sont pas là ce soir. Et même si tu penses que mon enfant est dans la désobéissance et dans la rébellion, non, nous allons prier ce soir. Ustedes salen de esta convención como mujeres de fe, de poder. Tu vas sortir de cette convention et en tant que femme de pouvoir et de puissance. Han recibido una unción especial. Femme d'autorité, tu auras reçu une onction spéciale. Para que ustedes oren por esas generaciones. Afin de continuer à prier pour ces générations. Amen. Amen. Entonces coja su hijo y va a comenzar usted a clamar. Mi mamá decía. Donc on va approcher les enfants et ma mère, juste avant, je vais donner un exemple. Ma mère me disait. Mi mami dice porque ella todavía está viva. Ma mère dit parce qu'elle est toujours vivante.
que las únicas que pueden clamar, clamar verdaderamente son las propias mamás por sus hijos. Elle dit les seules qui sont capables de crier, de crier, de crier pour leurs enfants, ce sont les mamans. Entonces vamos a presentar estas generaciones. Et donc on va crier ensemble, on va présenter ces générations. Commencez à clamer. Es su hijo. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier pour votre enfant. Commencez à prier, à crier à Dieu pour votre enfant. Commencez à le remettre entre les mains de Dieu. A ver que se escuche. Están presentando sus hijos. On veut l'entendre. Vous êtes en train de le présenter ou de la présenter devant Dieu. Esta generación le pertenece al Señor. Cette génération appartient à Dieu. Ore con la promesa que Dios le ha dado para ese hijo. Prie avec la promesse que Dieu t'a donnée pour cet enfant. Si hay mujeres que sus hijos no están en el camino del Señor, pídale al Señor. Si tes enfants ne marchent pas avec Dieu, crie-le à Dieu, demande-le. Clamo por el corazón de mis hijos, Señor. Je crie pour le cœur de mes enfants, Seigneur. Clamo porque venga un espíritu de temor al Señor en el corazón de nuestros hijos. Je crie qu'un esprit de crainte vienne dans le cœur de mes enfants. Nuestros hijos te pertenecen a ti, Señor. Nos enfants t'appartiennent, Seigneur. Nuestros hijos no serán entregados al faraón. Nos enfants ne seront pas donnés à Pharaon. Hay un destino para nuestros hijos, Il y a un destin, un appel sur la vie de nos enfants. Encamina nuestros hijos en tu verdad. Ramène nos enfants à ta vérité. Mis hijos te servirán. Mes enfants te serviront. Mis hijos son hijos de obediencia. Mes enfants sont des enfants d'obéissance. Mis hijos, Señor, son árbol fructífero. Mes enfants sont des arbres qui portent clame, du fruit. Clame por su hijo. Continue, clame. Crie, crie. Ore, Señor. Crie pour tes es enfants. C'est ton enfant. Colócalo bajo el pacto de la sangre de Jesús. Place-le sous le pacte du sang de Christ. Oye, tú estás trazando un destino para tu hijo. Aujourd'hui, tu traces un destin pour la vie de ton enfant. Apporte-le à son destin. Protège son hijo. Apporte ton enfant. Señor, Señor, nuestros hijos te pertenecen. Seigneur, nos enfants t'appartiennent. Ninguno de nuestros hijos se perderá. Aucun de nos enfants ne se perdra. Ellos son nuestra herencia. Ils sont notre héritage. Dilo conmigo, mis hijos son nuestra herencia. Dis-le avec moi, mes enfants sont mon héritage. Se quebranta la maldición. Que la malédiction soit brisée dans la vie de mes enfants. Digan conmigo, mujer. Répète avec moi, femme. Digan conmigo. Répète avec moi, Creyéndolo. Femme. En le croyant. Bendita. Ma vie es mi generación. Et ma génération. Porque yo he sido justificada. Parce que j'ai été justifiée. Y tu palabra dice. Et ta parole dit. Bendita nuestra generación de los justos. Béni soit la génération des justes. Y poderosa en la tierra. Ils sont puissants sur la terre. Siga clamando, siga Continue clamando à por crier. Sus hijos. Continue à crier pour tes enfants. Mujeres jóvenes que están aún sin hijos, clame por las generaciones. Même si tu es une jeune femme, crie, crie pour les générations Guyana, à venir. Cayenne, todo Guyana, toda esta generación de los guyaneses le pertenece al Señor. La Guyane, Cayenne et toutes les générations en Guyane appartiennent au Seigneur. Oh, sararara,
garde et te bénisse. Dont les parents n'y sont pas. Jesús, mamita, no están aquí, que no tienen a Jesús. Vengan aquí, yo voy a orar por ustedes. Vous qui êtes jeunes et votre maman ou vos parents ne sont pas à Christ, venez venga, devant. Jovencito, los jóvenes que no tienen a su mamá, venez la vida cristiana. Devant dans, ceux dont vos, les parents ne sont pas chrétiens. Et nous allons prier pour vous. Continuez de prier. Seigneur, te présente estos jovencitos, Seigneur. Seigneur, je te présente ces jeunes. Sana el corazón de esta guéris leur cœur. Es una generación que consagramos para ti. C'est une génération qu'on te consacre. Iglesia, Église. Église. Étends ta main vers ces jeunes. Étends ta main sur ces jeunes chrétiens. Et nous déclarons ensemble. Nous te bénissons, jeunes. Tu vas changer l'histoire de ta famille. Tu as un destin. Tu as un plan, un appel. Et en tant qu'Église, nous vous présentons devant Seigneur, Dieu. Et Seigneur, nous te consacrons ces jeunes pour toi. Ellos te ils t'appartiennent. Y en el de et je déclare dans le nom de Jésus, Pharaon, no podrás tocar estos jóvenes. Tu ne vas pas toucher ces jeunes. Ellos los consagramos para el Señor. Tu ne pourras pas les toucher, ils sont consacrés au Seigneur. Et ils serviront l'Éternel. Et le démon qui va. Et pardon, le Seigneur va guérir leur cœur. Jeunes, le Seigneur vous a donné la force. Et je souhaite te faire une invitation. Nous allons lever une offrande. Nous allons faire une offrande pour cette génération. Toi, jeune, tu peux aussi donner une offrande. Mais tu te dis, mais moi, j'ai rien. Non, tu tienes
hoy que dar una ofrenda, no importa el valor. Qu'importe le montant, tu peux donner une offrande. Tú estás haciendo. Ce que tu es en train de faire. Estás colocando hoy un destino para tu vida. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de placer un destin pour ta vie. Entonces todos, padres, madres, van a ofrendar por sus hijos. Père, mère, faisons une offrande pour nos enfants. Yo personalmente lo hice. Moi personnellement, je l'ai fait. Oraba por mis hijos. Je priais pour mes enfants. Pero también levantaba una ofrenda. Mais j'y plaçais une offrande. Protegiendo el destino de mis hijos. Une offrande pour protéger le destin, la vie de mes enfants. Y yo les digo algo, mujeres. Et je te dis quelque chose, femme. Cuando uno presenta en el altar, quand tu présentes devant l'autel, en el altar hay un sacrificio. Un sacrifice. En el altar hay una ofrenda. Une offrande. Y yo lo hice. Et je l'ai fait. Yo las quiero animar. Et je veux vous motiver. Yo las quiero animar, mujeres. Et je veux vous motiver, Église. Porque hoy se va a marcar esa historia en sus generaciones. Parce qu'aujourd'hui, vous allez marquer l'histoire de votre génération. Y esa ofrenda será recordada. Et cette offrande sera rappelée, sera mémorisée. Si lo creen, est-ce que vous... Si lo creen, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous y croyez? Diga, yo lo creo. Oui, je le crois. Dis-le, je le crois. Dis-le, je le crois. Lève ton offrande. Lève ton offrande. Ce que Dieu m'a donné, je veux aussi te le donner. Et aujourd'hui, je veux te partager cette foi. Quiero enseñarles esa bendición a través de la ofrenda. Et je veux te montrer qu'il y a une bénédiction à travers cette offrande. La bendición que hay de guardar nuestras generaciones. La bénédiction qui est celle de garder notre génération. Abraham iba a sacrificar a Isaac. Abraham a été faire un sacrifice à Isaac, son fils. Y cuando él ya estaba entregando ese hijo, dice la palabra que el Dios le proveyó ese cordero. Et quand il était en train d'offrir son fils en sacrifice, Dieu a pourvu pour un agneau, pour une un agneau. Et le Seigneur traera provision pour sa maison. Et donc le Seigneur apportera la provision ese cordero, dans ta maison. Ese cordero hoy para nosotros es Jesús. Et cet agneau aujourd'hui, c'est Jésus pour nous tous, chacun d'entre nous. Entonces, a través de la obra de la cruz, et donc à travers l'œuvre de la croix, ponemos, Señor, nous plaçons, esta Seigneur, génération, cette génération, y la ponemos bajo el pacto de tu sangre. Et nous la plaçons sous le pacte de ton sang. Los sugieres van a ir pasando y recogiendo esa ofrenda. Vous pouvez passer avec l'offrande. Ese diezmo que hoy vas a hacer por tus generaciones. Vous pouvez passer avec l'offrande. Que ninguna se quede. Et c'est un pacte que nous faisons pour nous. C'est un pacte que nous faisons pour nos générations. Qu'aucun d'entre vous, ne reste sans donner une offrande. Aujourd'hui, nous offrons pour notre génération, pour sceller ce pacte pour notre génération, pour nos enfants. Et donc, on peut chanter, on peut reprendre le chant. Je te bénis,
sa faveur reste sur toi au plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
Bonsoir. Shalom. Mais que vous êtes belles. Il y a du beau monde ce soir. Écoutez, moi, je m'appelle Abigail. Et vous savez pourquoi je suis heureuse ce soir? Parce que je vais me marier. Et j'ai un truc à vous dire. L'heureux élu s'appelle Nabal. Vous avez déjà entendu parler de Nabal? Non? Nabal possède un grand domaine. Regardez par là, il y a 3000 brebis. Ici, derrière là, 1000 boutons. Franchement, waouh! Et comme disait ma mère, Abigail, tu seras une grande dame. Mais voyez-vous comment l'Éternel est bon, n'est-ce pas? L'Éternel est bon, n'est-ce pas? Waouh! Mais Adonai, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Ah, voilà, je l'entends qu'il m'appelle. Je peux pas trop rester. Bonsoir. Waouh, regardez qui j'en nous belle. Ah, une grande nouvelle pour nous là. Nous est bagla. Aïe, on va le marier avec un bel nègre. L'homme sur nègre là bien campé. Et puis il y a un cob. Aïe, aïe, aïe. L'homme va le mettre au robe maria pour me tourner comme ça sous lit. Oui, tête là pour tourner. Ouch, qu'est-ce que dit nous ça? Oh, il y a la botte la frappée. Malé, m'a le rejoigné. Oui. Tudo bem? Muito prazer. O meu nome é Abigail. E sabe o quê? Eu vou casar. O nome dele... É, je vais me marier. O nome dele é Nabal. Nabal, il a l'air gentil, mais je vais vous avouer, j'ai quand même remarqué un fort caractère. Enfin, soit. Regardez la taille de cette chambre. Merci, Adonai. Ma mère viendra habiter avec moi. Enfin, soit. Il cultive du manioc, du couac. Bon, vous me permettez, je vais aller me balader dans le jardin et préparer mon mariage. Shalom. Bonsoir. Bye, Gwangawi. Mais pour taki, ou pas son bonnetti. Mia ti dia ini pichi. Become your toe. Mio toe wanga wamande ekali nabal. Amande gudu. Abio mejali. Anga aga o memeti abi o menkau o menka habita baya mi e pishi e mama be call me ataki te abi saka fashanga le shpeki da de konado fu papa do na ye kaya itabu mi ye de kami mi egweye. You know what? Avez-vous remarqué quelque chose de nouveau? I'm getting married! Je vais me marier, Khatrawa! Do you know with who? Well, the Lord bless me with a handsome, good-looking man. He's so handsome. Not only handsome, but he's rich. And I'm not going to suffer. I'm going to enjoy myself in my future husband. Oh, his name is Nabal. I often pray for a man after God's own heart, a God-fearing man. Whenever I think about this, I feel like there's butterflies flying everywhere. I see roses. I can't wait to dance
think I'm gonna leave. My future husband is calling me. My heart is breaking. Surprise par la réalité de la vie, Abigail réalise que ce mariage avec Nabal est plus que compliqué. Son innocence, sa fragilité, sa naïveté, tous ses rêves qui l'ont poussée à croire à une vie d'honneur se transforment en horreur. Nabal, un homme qui était censé lui procurer paix et sécurité. Nabal, un loup déguisé en agneau. Abigail, cette femme, comme beaucoup de femmes, a été piégée par l'arrogance et la perversion. Une méchanceté à l'état pur était maintenant jour et nuit son lot d'ennuis et de chagrin. Trouvera-t-elle une issue pour échapper aux griffes de l'enfer? Je me saisis. Madame, j'aime penser ça. Quatre jours, nègre méchant. Nègre méchant, méprisant. Je ne sais pas si je vais me marier avec un nègre comme ça. Oh, nègre là, le matin, nègre là, énervé. Même là, nègre là, dormi, nègre là, énervé. Oh, nègre là, sorti pour le battre tout le monde dans le cas là. Oh, je me saisis. Oh, Seigneur. Je ne sais pas. Ça pour ça avec Nabal. Nabal méprise trop. Oh papa, pour autorité. Oh Seigneur, même j'en t'ai ouvert la main. Ouvert pour moi, Seigneur. Je ne sais pas comment ça pour me faire. C'est moi, Nabal. C'est moi, le plus bel homme de la région. Vous pouvez me contempler. Regardez, ma richesse parle pour moi. Acclamez Nabal! Vous faites bien. Regardez mon domaine, ma maison, mon bétail, mes champs. C'est moi tout simplement. Nabal. Et ce David, fils d'Isaïe, pour qui se prend-il? En me demandant de lui faire du bien, moi, sous prétexte s'est occupé de mes serviteurs dans le désert.
N'importe quoi. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs qui fuient de la maison de leur maître. Mais moi, Nabal, on me respecte. Abigail. Abigail! Oui, monseigneur. T'entends pas que je t'appelle? Si, si. Et tu me fais hurler comme ça? Qu'ai-je fait pour mériter une femme comme ça? Tu me fais pitié. Regarde-toi. Regarde-toi. Tu trembles. Tu as peur? Non. Ah, Abigail. Ma chaise. C'est moi qui vais retirer ma chaise. Abigail. Oh. Abigail. Et Abigail, assieds-toi devant moi là. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, mon amour. Rien là-bas. Tu n'es même pas digne d'être mon épouse. Oh là là. On s'est marié, non? Tu es mon mari, non? Tu m'aimes. Je t'aime. On s'aime. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. De ta bouche débite que des paroles inutiles. Je me demande si ce jour-là, j'avais pas un voile sur les yeux. Ah non, t'étais tout beau. Et tais-toi. On n'a pas le parle. Monseigneur. Oui. Et comment ta journée? C'est pas ton problème. Et Nabal, t'as changé. Tu me parlais pas comme ça. Moi, j'ai changé. J'ai toujours été le même. Même mon prénom, tu le prononces mal. Stop! Tu m'insupportes! Chez moi! T'as raison, monseigneur. J'ai faim. Qu'est-ce que tu fais? Dans mon domaine! Nabal, pourquoi j'étais serviteur. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Nabal! Seigneur! Hey! Seigneur! Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Seigneur! Papa! Nabal! Nabal, je t'en supplie! Tu as des soucis! Nabal, je t'en supplie! Tu as des soucis! Chez moi! Affiché de la serviteur! Laisse-la tranquille, Nabal! Oh. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? T'es comme une serpillière. Lève-toi et tu te dis être ma femme. Appétit de moi. Abigail, assieds-toi là. Là-bas, tu me fais mal. Je suis ta femme, mon frère. Nabal, fais quoi? Je te fais quoi? Je te fais quoi? T'as raison, monseigneur. Je te fais quoi? Tu me fais honte! Abigail, dégage devant moi! Sors devant moi! Tu sais que je t'aime. Nabal, je t'ai toujours aimé. Qu'ai-je fait pour avoir une femme inutile? Tu m'as trahi, Nabal. Vaut mieux que je parte. Nabal, je t'aime. Je...
Seigneur! Seigneur! Oh Seigneur, j'ai besoin de toi! Où es-tu, Seigneur? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi, Abigail? Moi, la fille de mon père? Où est donc passé ma joie, Seigneur? Oh Seigneur, je suis maltraitée. Là-bas, me maltraite. Je suis humiliée, déshonorée. Oh, je suis. Je suis déshonorée. J'en peux plus de cette situation. Je ne vais pas signer pour ça. Je ne vais pas signer pour ça. Seigneur, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta force. Seigneur. Should I be still again? Should I be still again this time, Lord? Seigneur, où es-tu? I'm going to be still. I will be still. I will be still. Car je sais que tu vas faire quelque chose. Je sais que tu vas agir ici, là, maintenant, dans ce lieu. Pour ça, pour ça. Je resterai fort. Je resterai fort.
Maîtresse! 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 Oui. Maîtresse! Maîtresse! Calme-toi! Maîtresse! Maîtresse! Calme-toi! Maîtresse! Écoutez! Maîtresse, vous n'allez jamais me croire! Oui, vous mangez de moi, maîtresse! Vous êtes en sortie! Vous occupez des bêtes du maître! Tendre les moutons, maîtresse, les serviteurs de David. Oui, maîtresse, ils nous ont aidés, ils ont veillé sur nous. Ça, matin, midi, jour et nuit, maîtresse, ils nous ont donné à manger. Il y avait des bêtes sauvages, maîtresse, ils ont pris soin de nous, maîtresse. Mais maîtresse, ce n'est pas tout. Vas-y, parle, Meshach. Voici que le maître a méprisé les serviteurs de David. Mon Dieu. Le serviteur du Dieu vivant, maîtresse, vous ne savez pas. Maîtresse, nous sommes en danger de mort, maîtresse. Il les a méprisés. Mon Dieu. Et David, il a environ, il a plus de 300 hommes, maîtresse, avec lui. Relève-toi. Qu'allons-nous faire, maîtresse? Il a Attends juré. Attends-moi, j'ai besoin de temps pour rester seule. Comment Nabal a pu manquer de respect aux serviteurs de Dieu? Ne se rend-il pas compte de sa méchanceté? Mon Dieu, pardonne-nous. Maintenant, David, le serviteur de Dieu, est en chemin pour en finir avec cette maison. Comment puis-je trouver grâce aux yeux du Dieu de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, et aux yeux du serviteur de Dieu, Adonai? Ne m'abandonne pas, tu es mon secours. C'est ce que je dois faire. Je vais lui préparer une offrande digne de lui. Merci Adonai. Meshach. Maîtresse, me voici. Bah. Oui, maîtresse. Rassemble les autres serviteurs. Nous allons préparer une grande offrande. D'accord, maîtresse. Serviteurs de Dieu. Allez couper tous les pindars. Coupez le riz. Arrachez le manioc dans la bâtie. Oui, maîtresse. Allez, traire, attends. Tout de suite. Attends, je n'ai pas fini. Allez, traire tous les brebis et les vaches. D'accord. Ramassez tous les fruits et légumes du domaine. Va maintenant. Merci, maîtresse. Mene manioc. Papa bon Dieu, adorez son nom. Notre Père, adorez son nom. Elohim, adorez son nom. Éternel, adorez son nom. Yahvé, adorez son nom. El Shaddai, adorez son nom. Le sans limite, adorez son nom. Jéhovah, adorez son nom. Jireh, adorez son nom. Rapha, adorez son nom. Nissi, adorez son nom. Shama, adorez son nom. Sabaoth, adorez son nom. Shalom, adorez son nom. Pichez manioc et puis lavez manioc. Papa bon Dieu, adorez son nom. Oui, adorez, adorez son nom. Adorez, adorez son nom. Adorez, adorez son nom. Le Seigneur, adorez son nom. Le grand je suis, adorez son nom. Celui qui est, adorez son nom. Qui était, adorez son nom. Qui revient, adorez son nom. L'alpha, adorez son nom. L'oméga, adorez son nom. Le commencement, adorez son nom. La fin, adorez son nom. Oui, adorez son nom. Papa bon Dieu, adorez son nom. Éternel, adorez son nom. Elohim, adorez son nom. Je
Jésus. Adoré son nom. Jésus. Adoré son nom. Le bon berger. Adoré son nom. Ma force. Adoré son nom. Le pain de vie. Adoré son nom. Le chemin. Adoré son nom. La vérité. Adoré son nom. La vie. Adoré son nom. Rocher des siècles. Adoré son nom. Dieu fort. Adoré son nom. Dieu des nations. Adoré son nom. Oui, adoré. Adoré son nom. Papa bon Dieu. Adoré son nom. Dieu trois fois saint. Adoré son nom. Dieu de grâce. Adoré son nom. De bonté. Adoré son nom. Miséricordieux. Emmenez la rap à manioc. Il faut rapper le manioc maintenant. Adoré son nom. Le verbe. Adoré son nom. Dieu vivant. Adoré son nom. Dieu fidèle. Adoré son nom. Dieu très haut. C'est le manioc. Adoré son nom. Jésus. Adoré son nom. Saint-Esprit. Pressez la pâte à manioc. Puissant. Adoré son nom. Dieu très haut. Adoré son nom. Oui, adoré. Adoré son nom. Adoré. Adoré son nom. Adoré. Adoré son nom. Adoré. Adoré son nom. 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 Il faut ramener le tamis. Il faut passer au tamis la farine de manioc. Adoré son nom. Votre père. Adoré son nom. Elohim. Adoré son nom. Éternel. Adoré son nom. Yahvé. Adoré son nom. El Shaddai. Adoré son nom. Le sans limite. Adoré son nom. Jéhovah. Adoré son nom. Jireh. Adoré son nom. Rapha. Adoré son nom. Nissi. Adoré son nom. Shama. Adoré son nom. Sabéot. Adoré son nom. Shalom. Adoré son nom. Oui, adoré. Adoré son nom. Papa bon Dieu. Adoré son nom. Oui, adoré. Adoré son nom. Adoré. Adoré son nom. Adoré. Adoré son nom. Le Seigneur. Adoré son nom. Le grand je suis. Adoré son nom. Celui qui est. Adoré son nom. Qui était. Adoré son nom. Qui revient. Adoré son nom. L'alpha. Adoré son nom. L'oméga. Adoré son nom. Le commencement. Adoré son nom. La fin. Adoré son nom. Oui, adoré. Adoré son nom. Papa bon Dieu. Adoré son nom. Éternel. Adoré son nom. Elohim. Adoré son nom. Jésus. Adoré son nom. Jésus. Adoré son nom. Le bon berger. Adoré son nom. Ma force. Adoré son nom. Le pain de vie. Adoré son nom. Le chemin. Adoré son nom. Venez allumer le feu sous la platine. La vie. Adoré son nom. Rocher des siècles. Adoré son nom. Dieu fort. Adoré son nom. Dieu des nations. Adoré son nom. Oui, adoré. Adoré son nom. Papa bon Dieu. Adoré son nom. Dieu trois fois saint. Adoré son nom. Dieu de grâce. Adoré son nom. De bonté. Adoré son nom. Miséricordieux. Adoré son nom. Adonai. Adoré son nom. Le Verbe. Adoré son nom. Dieu vivant. Adoré son nom. Dieu fidèle. Adoré son nom. Dieu très haut. Adoré son nom. Dieu tout puissant. Adoré son nom. Oui, adoré. Adoré son nom.
des armées. Le manioc, la farine de manioc, mon bouclier, source d'eau vive, le conseiller, prince de paix, Dieu de Cayenne, Dieu de Matoury, qui toute commune, oui adoré, papa bon Dieu, adoré, oui adoré. Maintenant que le couac est cuit, il faut ramasser le couac. Il faut retirer le couac de la platine. Yahvé, adoré son nom. El Shaddai, adoré son nom. Le sans limite, adoré son nom. Jéhovah, adoré son nom. Jireh, adoré son nom. Rapha, adoré son nom. Nissi, adoré son nom. Shama, adoré son nom. Sabaoth, adoré son nom. Shalom, adoré son nom. Oui, adoré, adoré son nom. Papa bon Dieu, adoré son nom. Oui, adoré, adoré son nom. Adoré, adoré son nom. Maintenant que la préparation du couac est terminée, on va rassembler tous les offrandes. Adorez son nom. Celui qui est, adorez son nom. Qui était, adorez son nom. Qui revient, adorez son nom. L'alpha, adorez son nom. L'oméga, adorez son nom. Le commencement, adorez son nom. La fin, adorez son nom. Qui adorez, adorez son nom. Papa bon Dieu, adorez son nom. Éternel, adorez son nom. Elohim, adorez son nom. Jésus, adorez son nom. Jésus, adorez son nom. Le bon berger, adorez son nom. Ma force, adorez son nom. Le pain de vie, adorez son nom. Le chemin, adorez son nom. La vérité, adorez son nom. La vie, adorez son nom. Rocher des siècles, adorez son nom. Dieu fort, adorez son nom. Dieu des nations, adorez son nom. Oui, adorez, adorez son nom. Papa bon Dieu, adorez son nom. Dieu trois fois saint, adorez son nom. Dieu de grâce, adorez son nom. De bonté, adorez son nom. Miséricordieux, adorez son nom. Adonai, adorez son nom. Le Verbe, adorez son nom. Dieu vivant, adorez son nom. Dieu fidèle, adorez son nom. Dieu très haut, adorez son nom. Dieu tout puissant, adorez son nom. Oui, adoré, adorez son nom. Oui, adoré, adorez son nom. Oui, adoré, adorez son nom. Papa bon Dieu, adorez son nom. Créateur, adorez son nom. Merveilleux, adorez son nom. Le seul juge, adorez son nom. Roi des rois, adorez son nom. Bien-aimé, adorez son nom. Roi des armées, adorez son nom. Mon salut, adorez son nom. Le rocher, adorez son nom. Oui, adoré, adorez son nom. Oui, adoré, adorez son nom. Papa bon Dieu, adorez son nom. Redoutable, adorez son nom. Véritable, adorez son nom. Incomparable, adorez son nom. Honorable, adorez son nom. Oui, adoré, adorez son nom. Oui, adoré, adorez son nom. Papa bon Dieu, adorez son nom. Ma forteresse, adorez son nom. Mon bouclier, adorez son nom. Source d'eau vive, adorez son nom. Le conseiller, adorez son nom. Prince de paix, adorez son nom. Dieu de Cayenne, adorez son nom. Dieu de Matoury, adorez son nom. Et toute commune, adorez son nom. Oui, adoré, adorez son nom. Papa bon Dieu, adorez son nom. Adoré, adorez son nom. Oui, adoré, adorez son nom.
fort, adoré son nom, le merveilleux, adoré son nom, éternel, adoré son nom, Papa bon Dieu, adoré son nom, Papa bon Dieu, adoré son nom, oui adoré, adoré son nom, Jésus, adoré son nom, Saint-Esprit, adoré son nom, le Tout-Puissant, adoré son nom, le Très-Haut, adoré son nom, oui adoré, adoré son nom, adoré, adoré son nom, adoré, adoré son nom, adoré, adoré son nom, 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 maîtresse, oui. Maîtresse, calme-toi. Seigneur, on est péri, Ouh, Seigneur. Parle. Maîtresse, David a eu une demi-journée. Comment? Avec toute son armée, David est en route, Seigneur. Maîtresse, David est en route à une demi-journée. Ma famille. Maîtresse, okay. Ma famille. Nous avons tout prévu. Calme-toi et va. Dieu merci. David est en chemin. Mon Dieu. Adonai. Quand j'étais dans cette maison, j'étais humiliée. Quand j'étais dans cette maison, j'étais maltraitée. Pourtant, Nabal n'était pas celui que je croyais. Il m'a vendu du rêve. Adonai, ne permets pas à David d'avoir le cœur que tu ne lui as pas donné. Éternel, entends le cri de mon âme, éternel. Entends le cri de ta servante. Tu ne peux pas laisser ton peuple mourir. Rires.
me voici. Je m'en remets à toi. Serviteur, 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 n'ayez crainte, prenez toute l'offrande. De David. Thank you.
cloud by day, fire by night. You gave us your name to be our guide. You are Yahweh. You are Yahweh. You're in the inhale, Yahweh. You're in the exhale, Yahweh. Hey, you're in the inhale, Yahweh. You're in the exhale, Yahweh. Every time we breathe, we say your name. Every time we breathe, we mention your name. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Let everything that has breath say the name of the Lord. Let everything that breathes say the name of the Lord. Yahweh, you are. Yahweh, you are. Yahweh, 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 Yahweh. So we lift you high. We lift you high, singing out Yahweh. We lift you high, Yahweh. We lift you high, Yahweh. Éternel, c'est pas possible. Cet homme Nabal, il a osé me faire ça. Tous les jours, j'étais là pour lui, en train de travailler sous le soleil, en train de travailler sous la pluie, dans le froid et la chaleur, avec mes hommes, occupés de ses troupeaux, dans ses champs. Et c'est ce que je mérite. C'est ce que je mérite. Il va payer pour ça. Le salaire qu'il mérite, c'est la mort. Les gars, dégainez vos épées. Et allons détruire Nabal et tout ce qui lui appartient. Tout va bien se passer. Prenez courage. Adonai est avec nous. Tout va bien se passer. Adonai. Au décourage, et presque. Attention, ça va aller. On y est presque, prenez courage. Je vois David. Halte. Reculez. Thank you.
David. Ne laisse pas la colère l'emporter sur la miséricorde, ni la vengeance sur le pardon. Nous avons péché en ignorant celui que Dieu a envoyé sur ma maison et pour son peuple. Nabal n'a pas su discerner. Pourtant, tu es cette étoile qui brillera sur tout Israël. Puisse l'Éternel faire de tes ennemis ton marchepied et qu'Adonai soit toujours avec toi, David, son serviteur. Et que ta maison ne manque jamais de vivre. Car je sais que le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, est avec toi, David. Et je suis ton humble servante. Soit. Garde, récupérez toutes les offrandes. Abigail, n'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Relève-toi. Lève la tête et regarde. L'Éternel t'a fait don d'une si belle apparence, mais pas seulement ça. Il t'a fait aussi cadeau d'une grande sagesse et d'un incroyable courage. Et à cause de cela, le sang de Nabal ne retombera pas sur moi. Abigail, veux-tu t'unir au futur roi d'Israël ? Où peut-on trouver une telle femme ? Ordonne et j'obéirai. Où peut-on trouver une telle femme qui renverse les situations les plus difficiles? Ce que l'on peut noter de cette histoire, c'est qu'une femme a le pouvoir de détruire ou de construire. La femme sage bâtit sa maison. Abigail, malgré la tragédie qu'elle vivait avec cet homme, avait le cœur selon le cœur de Dieu. Et cela a transformé sa vie pour toujours. Tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia.
onde lutas vier me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, oh Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso teu olhar, ouvir a batida do teu coração, me esconder nos teus braços, oh Pai. Toda a minha alma deseja a ti, juntos com santos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Amen, elle veut se sauver. Amen. Mais j'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur pour la vie de Christelle. Et pour l'école des arts qui vient de démarrer ici dans ce lieu, n'est-ce pas Christelle? Veux-tu nous expliquer ce que c'est l'école des arts? Dieu est un artiste extraordinaire. Et il a tout créé dans cette atmosphère de louange. Dieu est un artiste, il suffit de regarder le monde, il suffit de regarder le ciel, il suffit de sentir le vent qui passe sur ton visage et tu pourrais comprendre que Dieu est un artiste. Et je crois que dans la vie de chacun d'entre nous, il a mis sa part de créativité. Et aussi cette créativité qu'il a mis en nous est pour le glorifier. Aussi, le Seigneur a mis dans mon cœur d'ouvrir une école des arts pour rendre gloire à son nom, pour parler de son histoire, pour parler de son cœur et pour donner de l'espoir aux hommes. Merci beaucoup, Christelle. On va aussi remercier et bénir toute la technique, Christelle. Ils ont travaillé très dur. Toutes les répétitions, ils étaient là très tard. Ils rentraient tard le soir. Pour certains, ils sont mariés, ils ont des épouses très patientes. Et d'autres travaillaient tôt le matin, mais vous étiez là. J'aimerais aussi remercier tous les danseurs et toutes celles qui dansent, mais vraiment avec toutes leurs tripes. Vous avez vu ça? J'ai même vu le grand écart sur l'estrade. Merci ma chérie pour le grand écart, mais vraiment, tu es une championne d'ailleurs. Tu as été promue au championnat de France, c'est ça Joanne? Voilà, alors vous voyez qu'il y a des champions dans l'armée du Seigneur et dans l'immobilier des artistes.
Et tous ces chants, gospel, l'expression artistique dans le mouvement, dans l'être, c'est juste impressionnant. Je suis impressionnée. Vraiment, je suis émerveillée. Est-ce que vous êtes émerveillée par ce qui vient de se passer? Amen. Et je pense aussi à toutes ces personnes qui ont déjà des enfants. Et il y avait des répétitions, il y avait plein de choses, vous avez vraiment payé le prix, parce que c'est pas juste comme ça, et en plein examen, c'est pas juste comme ça que les choses se faisaient, il y a énormément d'heures de travail, c'est ça. J'aimerais aussi, les visuels ont été magnifiques, merci pour les visuels, merci pour le présenteur, le pro-présenteur, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et puis, j'aimerais surtout, surtout remercier le Seigneur Jésus. Amen. On peut dire Seigneur à toi toute la gloire, parce que ce n'est qu'une faveur simplement, c'est que la faveur de Dieu. Amen. C'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous accorde de le glorifier et que pour toujours, de gloire en gloire, de victoire en victoire, nous puissions toujours glorifier le Seigneur. Amen. Et si tu es venu la première fois ce soir et que tu veux faire la paix avec le Seigneur, tu peux t'approcher et on va prier pour toi. Amen. Sinon, je vous donne rendez-vous à tous demain matin à 9h30 pour une matinale dans la présence du Seigneur, une matinale extraordinaire avec nos invités qui sont encore au milieu de nous. Amen. Et vraiment, je bénis vos familles, je bénis votre vie et je relâche sur vous vraiment une onction extraordinaire. C'est, vous savez ce qu'on a besoin le plus aujourd'hui, c'est la paix de Dieu dans notre cœur. Amen. Et il est important que tu fasses la paix avec Dieu. C'est très important de faire la paix avec Dieu. Vous savez, ce n'est pas une paix que le monde peut te donner. C'est une paix surnaturelle que personne ne pourra t'ôter. Amen. Que le Seigneur vraiment enrichisse vos vies et que ce que vous avez reçu ici ce soir, c'est au milieu de la présence de Dieu, que vous puissiez l'emporter dans vos familles, dans vos vies et que vous ne puissiez jamais oublier que le Seigneur vous aime et qu'il vous aimera toujours. Et même si vous résistez à son nom, il sera toujours tout près de vous parce qu'il ne cessera de vous aimer et il ne cessera de se révéler à vous. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Yes. Et nous vous bénissons. Vous avez besoin d'avancer pour prier, vous pouvez venir. Il n'y a aucun problème, nous sommes là. Il y a des pasteurs qui sont là. Amen. En tout cas, merci beaucoup Christelle, parce que tu nous as, le Seigneur nous a épatés au travers de toi. Et tu as travaillé, oui. Je me suis demandé comment tu tenais, mais tu as tenu. Hein. Le Seigneur renouvelle nos forces. Amen. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? I love you, me contento, me love you, te amo, ti amo, moi-même. Soyez bénis. Amen, amen. Soyez bénis. Amen, soyez bénis. En fait, j'ai l'impression que vous ne voulez pas partir, non? Je vais vous dire à la prochaine, à très bientôt pour une autre comédie musicale. Et à demain au culte de 9h30. Venez tôt parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde demain. Alors, je vous conseille de venir très tôt. Passez une très bonne soirée. Soyez bénis.